Je suis Touré Ibrahim à l'état civil, général Tchefari. C'est mon nom d'artiste, voilà le Tchefari ici. Je suis originaire de la région du Bafin, dans les 18 montagnes. Je suis né, j'ai grandi, j'ai connu le rap dans le temps, dans les années 98, par là. On était plus influencé par Almighty, Stezo, et donc on a commencé notre chemin dans le rap. Avec le collectif exceptionnel, on a des membres qui sont aujourd'hui bien connus comme Nash, on a De La Dose, on a Fraclic, on a toutes ces personnes avec qui on a traîné à main avant que les études nous emmènent à Abidjan. J'ai habité à Bobo, mon quartier c'était à Bobo, et j'ai fait la connaissance du Fondi que tout le monde connaît. Le Fondi a eu des grands noms et on a traîné notre boss dans le Fondi, on a appris à écrire les chansons dans le Fondi. Et en 2004, on a décidé de tracer notre chemin dans le reggae parce que ça, c'était l'une des premières musiques qu'on avait écoutées. Et puis apparemment, c'était la musique qui avait plus d'influence, plus de force sur nous. Et donc en 2004, j'ai commencé à écrire des chansons en reggae et j'ai enregistré. Je suis entré en studio en 2006, mon premier album de 9 titres, Soya, qui a été enregistré grâce à Échantillon, que je remercie. Mon parrain Kone Lamar qui m'avait financé et produit par Dr Sako. Et donc, on a enregistré le premier album dans les conditions très difficiles. On a fait la promotion de la chanson Tchefari Kole Soya qui passait plus ou moins à la télé, à la radio, ça jouait un peu partout et on s'est fait un petit nom. Libérez le peuple noir. Participé à des festivals, Abidjan Reggae, 24 Heures Reggae, Festica à Bobo, on est allé au Burkina, Festico, et on a essayé de parcourir un peu la sous-région. Et c'est en 2015, fin de 2015, qu'on a eu la chance d'être invité par un groupe qu'on appelle K-Bass Music, qui vit aux États-Unis, qui nous a envoyé une invitation et on est arrivé aux États-Unis ici. Et depuis lors, me voilà Général Tchefari. Et on est là, on essaie de créer notre chemin, on essaie de tracer notre chemin, parce que le reggae africain en tant que tel n'est pas connu aux États-Unis. C'est le reggae jamaïcain que les gens connaissent. Mais droit en quoi? Tu es différent de moi, en quoi tu es supérieur à moi. Ma couleur est noire, ça c'est vrai. Et puis quoi qu'on a, j'en suis fier. Ça a été très difficile pour nous de rencontrer d'abord des personnes qui respirent la chose musicale comme nous, de rencontrer des personnes qui voient dans la même direction que nous. Tu as vu? Aussi, le premier problème qu'on avait, c'était le langage, la communication. Comment pouvoir communiquer avec les gens? Et donc, ça, c'est un problème qu'on a eu. Il fallait d'abord apprendre la langue anglaise parce que, étant bobo, on n'a jamais pensé qu'un jour on serait aux États-Unis où on serait confronté à une langue. Et même quand on partait à l'école, quand le professeur d'anglais rentrait et qu'il parlait des cours d'anglais, on disait, mais lui, il nous fait. Mais c'est arrivé aux États-Unis qu'on s'est rendu compte que réellement, que l'anglais est très très important pour quelqu'un qui veut aller loin. Et voilà, ça a été un problème qu'on a rencontré quand nous sommes arrivés ici. Aussi, un problème, c'était de rencontrer des espaces. Ça veut dire trouver des espaces où on peut s'exprimer. Des espaces reggae, des espaces qui peuvent nous laisser un temps soit peu un moment pour nous exprimer. Ça a été très difficile au début, mais grâce à Dieu, grâce à notre âme, grâce à notre courage, aujourd'hui, nous avons pu imposer notre musique et nous avons beaucoup d'invitations par-ci par-là. Il y a des invitations même qu'on refuse aujourd'hui. Ce que j'ai à dire à mes petits frères ou bien à mes amis
à mes grands frères, à mes petites sœurs qui veulent faire la musique. La musique, c'est d'avoir d'abord le courage, c'est d'avoir d'abord une foi en soi. Tu vois, non? C'est être déjà prêt moralement pour te dire que ce que je vais entreprendre n'est pas une chose facile. Parce que quand tu travailles pour Dieu, il y a toujours des difficultés. Même Dieu même n'a pas fait l'unanimité. Donc, il faut te dire qu'il y aura des personnes qui vont te persécuter. Il y aura des personnes qui vont te dire « Ce que tu es en train de faire ne va te mêler nulle part. » Donc, ce que aussi j'ai à dire à mes petits frères aujourd'hui, à mes grands frères, à mes petites soeurs qui veulent aussi venir à l'Hexagone, d'abord, il faut te dire que ce que tu as aujourd'hui chez toi, tu n'auras jamais ça quelque part. L'amour des amis, l'amour des frères et des sœurs, la communication, le simple fait même de te lever, aller dire bonjour à quelqu'un, marcher avec lui, ici c'est rare d'en trouver parce que personne n'a le temps. Actuellement, moi j'ai le temps, tous mes amis sont en train de travailler. Donc qui tu vas aller voir? Il n'y a pas fait de grains, il n'y a pas fait de thé, les gens sont occupés, busy. Time is money. Donc c'est pour te dire que si tu veux venir à l'Hexagone, en Europe, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ici, il faut être prêt moralement déjà, il faut te dis que c'est un adieu que tu fais parce que tu es parti pour ne plus revenir. Tu reviendras sûrement pour venir saluer les parents, mais c'est une douleur que vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, moi, j'ai la nostalgie quand je me rappelle des rues d'Abobo, j'ai la nostalgie quand je me rappelle des rues d'Adjamé, de 13 villes, des rues que je parcourais à longueur de journée où je voyais des amis, je partageais des choses avec lui. Ça me manque cela. Donc, quand vous venez à l'Hexagone, dites en même temps à Dieu, à votre joie de vivre que vous aviez là-bas. Ça veut dire la communication, aller manger garba, la tiki, le plakali, c'est les choses qui vont vous manquer. Et vos parents sûrement, si vous avez des enfants, si vous êtes marié, c'est les choses qui vont vous manquer. Donc vous devez être prêt moralement en quittant votre pays pour venir ici. Et quand vous arrivez ici, vous devez mettre en tête, si j'ai quitté mon pays pour arriver là où je suis, je ne dois pas laisser tomber. Je dois me battre, quelles que soient les difficultés, si je dois dormir dans le froid ou dormir dehors, pour réussir, pour être une fierté pour mes amis, pour mes parents, pour mes enfants, il faut que j'y arrive. Oh,